Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever, en espérant que Forever, ce ne sera pas le cas, parce que sinon la série va durer bien trop longtemps. Et je suis toujours en attendant avec le signe pour essayer de sortir de là. Salut à toi! Et salut Damned, salut tout le monde. Moi je suis sûr qu'on va très bien s'en tirer. Mais oui, mais oui, mais oui, il n'y a pas de souci. Donc, eh ben, écoute, tu avais l'air de me dire que tu avais peut-être une ou deux idées, donc. Et bah déjà, j'aimerais que tu me dises c'est quoi qui flotte sur ta partie du coup? C'est un petit cheval. Ok, moi j'ai domino et là on a un accordéon et sur ton cercle là, sur deux des hexagones, il y a déjà un dessin. Juste à ta droite, il y a un jeu de cartes, enfin trois as. Et à peu près en face, il y a une botte. Et moi j'imagine que je dois avoir aussi des symboles de dessinée. Tu en as un. Celui qui te fait face, c'est un accordéon. Et le plan qui est à droite, j'imagine que tu le vois comme moi. Non? Le plan qui est à droite, c'est-à-dire. Eh ben, est-ce que tu vois. C'est-à-dire que moi, à droite de toi, de ton plan astral, là, on va dire, de ta salle, je vois le Ah! dessus d'une autre salle qui est vide. Et enfin, qui est vide, où il n'y a personne dedans, bien évidemment, et il y a un accordéon. Elle est orange. Oui, je la vois. Et il y a une case qui est remplie avec un accordéon et une autre où ça a l'air d'être une guitare. Oui, c'est ça. Et si tu regardes bien, dans cette salle là-bas, au sol, on dirait qu'il y a une clé qu'on peut activer. Je la vois. Et moi, j'ai que un seul carré qui est dessiné sur le mien. J'ai que un seul carré qui est dessiné sur le mien. Ouais, à l'accordéon, c'est tout. Mais moi, je peux tourner quelque chose dans ma salle, je sais pas si toi tu peux. Refais-le encore une fois pour voir si l'accordéon, si tu le mets en face de l'autre, ce que ça donne. Est-ce que tu peux pas rentrer maintenant dans l'autre salle par hasard? Y aurait pas une connexion? Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, sympa! Très classe. Et là, du coup, t'as là où t'as le truc qui est apparu, les deux bots sont en face, donc normalement, si tu prends la porte qui est en face de toi, tu devrais arriver théoriquement sur l'autre truc. Oui. Alors par contre, t'es pas du tout arrivé là où il y avait la botte, quoi. Si, je suis sur la botte. Ah oui, t'es sur la botte, je pensais que t'allais arriver sur la botte qui était en face, mais non. Donc c'est peut-être pas l'alignement qui fait, c'est juste que si on prend celui qui est coloré, on arrive sur le bon. Donc normalement, moi je dois en avoir un, c'était celui-là je crois où il y avait la guitare. Alors attends, parce que ça devient dur de suivre la carte. Je vais mettre ma lampe, ok. Ouais, ça va être un peu mieux. Celui-là, celui où il y a la guitare, oui, celui-là, oui, vas-y. Ah, alors là, ça a pas marché par contre. Ah, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins. En fait, je pense que les deux symboles doivent se faire face pour que tu puisses voyager dans la salle en question. Donc, est-ce que tu peux me redire où est ma botte? Alors toi dans la salle où t'es, t'as moyen d'aligner deux trucs. Tu peux tourner et aligner des dés pour arriver dans la salle avec les cartes. Vas-y, tourne encore. Encore deux. Ok, là tu prends celui qui est en face de toi. Vas-y, celui-là, ouais, exact. Ok. Dis-moi si tu peux encore aligner.
Bah du coup je vois pas, t'as la guitare sur celui-là, mais je crois que tu peux peut-être aligner la guitare avec moi. Ouais, tout à fait. Alors, il faut que tu le fasses deux fois, mais je sais pas dans quel sens. Alors Je dirais de l'autre, faudrait que tu te mettes de l'autre côté, je pense, du bout du truc en bois. Et toi, il faut que tu le tournes une fois aussi. Dans ce sens-là, ça me paraît bien. Encore une fois. Moi, la porte est fermée pour moi. Alors, il n'y a pas de clé ici, mais il y a deux portes de fermées par contre. Ok, il faudrait que je puisse retourner à mon cheval en fait pour te remettre en face les cartes. On pourrait se mettre en face les cartes, mais je sais pas comment retourner au cheval. T'as la botte là sur celui-là, donc tu pourrais, si tu tournes d'un cran dans l'autre sens, tu retournes d'un cran encore. Vas-y, dans ce sens-là, t'es bien là. Non, mais prends pas les portails, tourne le truc. Ah, pardon, faut que je retourne le truc? Ouais, retourne-le d'un cran dans ce sens-là, c'est parfait. Et là, du coup, tu prends celui qui est juste en face de toi, et c'est la botte. Ah, mais il est fermé? Ah, il est fermé. Porte est fermée, je peux pas. Il est fermé. Ah donc on tourne les clés, ça doit fermer le truc afférent du coup. Sur le mien, il n'y en a pas que je puisse, il y en a pas un que je pourrais aligner. Si, pardon. Si, si, il y en a carrément un. Tu te mets, voilà, par là, et tu appuies deux fois. Et... Ah merde, elle est fermée la porte aussi, putain. C'est celle-là. Et à part ça, j'en vois pas d'autres. Enfin si, là c'est bon pour aligner avec mon cheval qui est à côté, mais là non. Je suis un peu perdu. Voir si je peux retourner à l'autre du coup. Je pensais avoir compris, mais en fait... C'était avec quoi que j'étais aligné avant? Avec l'accordéon? Non, pas avec l'accordéon. Je sais plus. Bah, je sais plus non plus. Alors attends, toi t'as une guitare, mais elle est fermée. Est-ce que la fermeture bouge? Est-ce que... Ah, tu peux tourner, pas dans ce sens-là, mais dans l'autre, un coup. Ah non. Encore fermé. La porte fermée se déplace. Ok, donc la porte fermée se déplace. Avec les cartes. Est-ce qu'on aurait foiré un truc en activant les clés? Bah non, il fallait activer les clés pour que ça apparaisse de toute façon. Ouais, non, non, j'y crois pas trop. C'est juste là, faut arriver à se débloquer, mais je vois pas trop comment. Alors là, t'as aligné les cartes avec la guitare, si tu veux essayer de me passer. Alors il y a peut-être un truc avec les... Tu sais, à la base des manivelles là, c'est pas en rouge, puis en noir, puis en rouge, puis en noir. Peut-être un truc. Non, parce que ce bout-là ne bouge pas, donc sans doute pas.
Y'a quoi de ce côté-là où je suis, là, dis-moi? Alors attends, là il y a un chapeau de bouffon. On l'a pas encore celui-là, donc ça va être pour ça que c'est fermé. Ouais, je suis pas certain parce que la botte elle est fermée aussi et pourtant on l'a. Ouais, t'as raison. Bon après elle est loin, elle est pas alignée avec nous, mais quand même. Bah t'étais dedans tout à l'heure et t'as activé la clé et après on a aligné les dés et t'es arrivé dans la salle où t'es là actuellement. Ouais, c'est chelou. Donc on arrête le bouffon. Tu peux me dire c'est quoi mes trucs qui sont encore ouverts? S'il y en a ici des dessins. Celui qui est ouvert, celui-là est dans le vide. L'autre est dans le vide. L'autre c'est le chapeau de bouffon est fermé et l'autre c'est une trompette. Et le dernier c'est un jeu de cartes qui est fermé. La trompette. Pourtant le jeu de cartes on n'a pas été activé sa clé encore. Pourquoi il est fermé? Je t'avoue c'est sûr que je me sens bloqué dans ma pièce là, je sais pas comment en sortir. Bah pareil, j'espère qu'on n'a pas softlock un truc. Ce qui serait très mal géré de leur part. Alors à la rigueur, ce que je peux dire, c'est que quand tu rentres dans la... Ah ça le fait plus. Quand tu rentrais dans celui-là, là, où c'est les cartes, tu ressortais par le même. Et maintenant que tu l'as tourné, tu ressors plus par le même. Ah ouais. Oh là là, ouf! Parce que t'es aléatoire, parce que là, quand tu rentres, tu arrives une fois par l'un, une fois par l'autre, donc. Là, j'avoue. Je sais pas. La guitare elle est fermée toujours. C'est les dominos. Essaye de tourner encore de deux crans pour voir. Dans l'autre sens. Ouais, dans celui-là, Valy. Vas-y. Et maintenant, prends le portail qui est montré par le crochet, enfin par la tirette là, celui qui est en face de toi. Pareil. Zut. J'ai pas les cartes hein, moi sur le mien. Si derrière toi la porte fermée. Ah parce que toi t'as les cartes aussi, mais toi ta porte de cartes elle est ouverte. Donc on peut aligner nos cartes. On peut aligner nos cartes du coup. Et moi, c'est celle qui est déjà en place, là ? Non, attends, je vais déjà mettre la mienne. C'est celle que je t'ai fait aligner en haut, là. Mais c'est celle qui est en face, en fait, de ta tirette. Je vais bouger la mienne, tu m'as dit 2. Encore un cran, ouais. Voilà, c'est bon. Encore un. Ah ! Ça y est. On y arrive. Et une nouvelle clé. Oh putain. Bordel à cul. Très classe hein, cela dit. Ouais, c'est clair. Alors du coup j'imagine que ça va être à moi parce que toi t'as les dés qui sont fermés, le bouffon il est le. T'en as une juste à droite. T'as la porte fermée derrière toi là. Juste à gauche, alors du coup dans l'autre sens, ouais pardon,
Là, il y a ce qui ressemble à la harpe, j'imagine, ou à un sac, je sais pas ce que c'est, un truc rose. Et en dessous, en face de toi, il y a le bouffon là. Il est fermé ou pas? Alors, Roger, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai arrêté d'appuyer. Non, je disais, c'est pas l'accordéon qui est rose et jaune, mais je vois aussi qu'il y a une porte rose là sur un qui est apparu. Une porte rose. Alors, je sais pas si c'est celui-là. Bah, vu que derrière toi, c'est effectivement, ça pourrait être une porte rose, c'est probablement la sortie, donc toi tu serais peut-être dans le bon pour la sortie. Moi, ça, c'est une porte rose, l'icône au-dessus? Non, ça c'est les dés, celle qui est derrière encore. Voilà celui-là. Celle que je regarde, celle-là? Non, celle qui est dans ton dos, celle que tu regardais juste avant. Ok, celle-là. Donc celle-là, elle est alignée avec la porte rose. Enfin, elle est pas alignée, mais si on arrive à aller dans la harpe a un truc porte rose aussi. On est d'accord. Du coup, maintenant, il faut que moi je sorte. Alors, est-ce que je peux aligner l'un des miens avec quelque chose? Alors attends, t'es où? T'es là. T'as toujours des portes fermées, toi. Là, c'est fermé. Et là, c'est fermé. Les cartes là qui sont alignées, donc ça c'est bon, mais c'est fermé. La couronne, elle est pas alignée, mais elle est fermée. Et après, t'as la trompette bleue, mais la trompette bleue, je vois pas où il y en a une autre en fait. Ah si, là. Mais du coup, non. À moins que moi je puisse aller dans la couronne. Est-ce que je pourrais aligner quelque chose avec la couronne? Non, je pense pas. Attends, t'es là. Si tu as la couronne là, toi t'as la couronne, mais est-ce qu'il y a des... il n'y a pas de couronne disponible directement? La couronne de bouffon, t'en as une toi aussi, hein, mais la porte est fermée. C'est ta porte qui est juste à ta droite là. Ah, et bah toi t'en as une, mais elle est pas fermée ta porte. C'est celle qui est ah, derrière, juste à côté de la porte rose en fait. Celle-là? Ça c'est la porte rose et celle encore à droite c'est le bouffon. Voilà, elle est en place. Encore un coup, je suis perdu. Elle est en place, elle est en place. Et moi du coup? Toi, tu dans l'autre, pas de ce côté-là, dans l'autre. Et là, toi, tu es. Mais va te faire foutre. C'est parfait, c'est très très bien. Alors, Veut dire qu'on avance? du coup, toi t'as une harpe là. Tu m'as dit que j'avais une harpe, hein. Non, non, c'est pas ça, toi t'as une trompette bleue pour le moment. Tu as une trompette bleue. Il faudrait que tu la tournes de deux crans pendant ce sens-là dans l'autre. Là, tu dois pouvoir y aller si c'est ouvert pour toi. Et toi, t'as une harpe. Je sais pas si moi j'en ai une. Ouais, tu as une harpe, je suis en train de réfléchir si tu pouvais éventuellement retourner pour repartir, tu peux aller dans la salle des cartes éventuellement. Ouais, tu peux retourner dans la salle des cartes là. Elle est alignée celle-là? Ouais, elle est alignée là. Mais la question c'est est-ce que je peux faire quelque chose d'autre moi, ou est-ce qu'il faut que tu t'alignes d'abord avec ma harpe, que je prenne la harpe et qu'après tu remettes ta salle des cartes?
Réfléchis effectivement dans quel ordre vaudrait mieux le faire. Il faut d'abord l'harpe. Hein. Je pense qu'il faut d'abord que je t'envoie la harpe. Oui, parce que le seul que je peux aligner, c'est la harpe. Donc j'ai pas d'autres, tous les autres, donc c'est forcément moi en premier. Donc du coup, pas dans ce... si dans ce sens-là, de un cran. Dans ce sens-là, de un cran. Oui, mais est-ce que ta porte est ouverte, toi, celle qui est en face de toi? Celle-là? Oui. Elle est ouverte. Ok, donc j'avance. Vas-y. Et normalement, là, on n'a plus qu'à aligner nos portes roses. Alors, tu vas de deux crans dans ce sens-là et elle sera bonne. Et toi, tu vas de deux crans dans l'autre sens et ce sera bon aussi. Pas de celui-là dans l'autre. Wow. Coucou copain. Ah, coucou, coucou. Bien sûr, faut qu'on interagisse en même temps. Je compte à 3. 3, 2, 1, go. Bon bah, allons vers les étoiles, hein. Même pas peur. Ah putain. Bordel à cul. Et nous qui pensions être en tranquille. Alors, je te vois, t'as l'air d'avoir une tour, je regarde si tu peux l'aligner avec quelque chose d'autre. A priori, pour l'instant, tu peux rien aligner toi. Je peux aligner quelque chose moi, je suis juste au-dessus de toi. Alors, tu te mets ouais, dans l'autre sens, dans ce sens-là. Voilà. Et tu fais de deux fois. Ah, et en fait, je les vois là. Là, je vois que j'ai un 9 ici. Cette fois, je peux la voir. Ah oui, j'avais pas vu qu'on les voyait. Oui, oui, bah voilà. Donc, tu fais deux fois et tu peux t'aligner avec la notre porte. Si ça marche, pareil. Ça a l'air d'être l'idée. Alors, t'es juste à côté de toi, donc toi t'as la tour, est-ce que j'ai une tour? Oui, j'ai une tour, je peux t'aligner une tour. Oh putain, je suis dans un autre plan encore moi. Oh putain. Oh mais c'est quoi ce bordel? Ouais parce que je te vois plus et moi je peux rien aligner du tout. Non mais alors moi non seulement je peux rien aligner et pire encore je peux rien faire dans le sens où mon bâton qui me permet de tourner les trucs il est cassé. Donc je peux rien faire. Oh le piège quoi. Alors je vais essayer de tourner pour voir, tu vas me dire si ça te change un truc. Est-ce que t'as un œuf? Ça serait pas un œuf ta salle? Non, j'ai un bâton de bouffon, j'ai un masque triste, j'ai un crâne. Ah putain, ça les bouge quand même dans... Ah putain, ça les bouge quand même. Rebouge-le d'un cran celui-là. En fait, si je suis sur un autre plan astral où il y a d'autres symboles et d'autres portes avec d'autres trucs. Oh putain, je progresse dans celle-là. Oh l'enfer. Ouais, mais c'est pas illogique parce qu'au final, tu étais déjà dans la salle de la tour et t'as pris la porte de la tour, donc... Alors regarde bien ce qui se passe, je suis en train d'appuyer là.
Yes, tu m'as permis d'aligner un truc, bouge plus. Ah, pardon, attends. Je te le remets. C'était un cran dans l'autre sens qu'il aurait fallu le mettre, pour moi. Alors moi j'ai pu passer, et du coup je suis dans ton plan, je pense. J'allume ma torche, des fois que tu me vois. Ah oui, je te vois, t'es là. Ok. Alors par contre, toi dans le tien, tu peux pas le bouger. Ouais, par contre moi je dois pouvoir te mettre la lune. Yep, tu peux me mettre la lune. Et on peut mettre les soleils en face. Ah oui, je te voyais pas, t'es caché derrière le masque, je me disais, elle est là la pièce du masque, mais je te vois pas. Elle est ouverte ta pièce des soleils ? Non, moi elle est fermée la porte. J'imagine que tu as rebasculé dans l'autre plan ? Ouais, et je peux aller à l'œuf, c'est tout. Je peux retourner à l'œuf. Ok. Ça t'a fait bouger un truc, pour l'instant j'y suis pas allé. Hein. Ça t'a fait bouger un truc là ? Non, non, j'attends de voir comment ça peut se goupiller. De toute façon, j'ai qu'un seul symbole, moi, sur lequel je peux aller. Donc je vais déjà l'aligner avec le bon plan. Voilà, mais maintenant, tant que tu vas pas pouvoir bouger de cette salle... C'était la salle que t'as bougé à un moment où je t'ai dit « Ah putain, elle a bougé !» Mais je sais pas dans quoi t'étais à ce moment-là. Bah là, tu m'as réaligné les bâtons de bouffon de l'œuf pour me permettre de changer de plan, donc je pense que on doit être plus ou moins pas softlock, mais on a fait le tour du labyrinthe et on s'est foiré quelque part, quoi. Pas si... Je sais pas, parce que à un moment t'as fait bouger une pièce, et en fait c'est ce qu'il m'aurait fallu, mais... Oui, encore deux fois, s'il te plaît. Encore une du coup. Ok, je suis de retour. Je suis au niveau de la Sainte Grenade. Ok. Alors, si tu peux... Ouais, tu peux la bouger d'un cran, pas dans ce sens-là, dans l'autre. Alors attends, qu'est-ce que j'ai d'autre moi ? Ok, je peux faire ça. Et je pense que c'est tout. Hein. C'est tout, t'as que ça d'éclairer de façon, enfin de dessiner. Alors, le problème que j'ai, c'est que c'était déjà bien placé. Donc faut que tu remettes dans l'autre sens. Tu peux revenir au niveau du bâton de bouffon, tu m'as dit ? Faudrait que tu le fasses. Bah je peux, c'est ce que j'avais fait, mais il faut que je repousse du coup dans ce sens-là, comme ça, là. Là je peux. Bon bah vas-y, fais-le, on verra si on peut se débloquer après. Et là, derrière toi, la porte, pas celle-là, en face, voilà où il y a la clé, tu peux rentrer. Du coup. Alors, ça me permet de retourner de nouveau dans la salle de l'œuf. Ouais, donc ça te permet... Ah putain, yes! Par contre, bizarrement, si tu pouvais remettre encore ma porte... la salle dans laquelle j'étais, tu peux pas la faire rebouger, c'est l'œuf, t'es dans la salle de l'œuf, là? Non, je suis toujours dans la clé, là. Je l'ai bougé d'un cran, et là, je peux maintenant retourner dans la salle de l'œuf. Ouais, c'est ça. Et tu rebouges d'un cran et je suis aligné avec le portail.
Non, 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 pas celle-là. Celle-là, remets-la d'un cran comme elle était. C'est dans la salle de l'œuf, pardon, que je voulais dire. Voilà, tu retournes dans la salle de l'œuf. Ok, encore deux fois, du coup, c'est dans l'autre sens. Pas grave, vas-y, encore deux fois et c'est bon. Ah oui, et moi aussi, du coup, là, je vais pouvoir m'aligner avec le portail de mon côté. C'est beau! Ah ouais, j'avoue, ils se font bien plaisir hein, sur cette énigme-là. Hein. Oh oui. Coucou. 1, 1, 2 et 3. Wouh! Eh ben écoute, ça va faire une très bonne fin d'épisode, je pense. Tu vas faire une petite outro. Eh ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça continue de vous plaire parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il va y avoir encore d'autres énigmes à faire et des méninges à faire exploser dans notre cerveau. On vous dit à très vite pour la suite de notre série. Merci tout le monde. Merci le signe. Et merci Damned. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao.